What? Siniestra. Bonjour, merci d'avoir choisi de nous rejoindre. Remarquez, si vous avez le même temps qu'ici, ça n'incite pas vraiment à mettre le nez dehors. À part bien sûr si vous êtes un ravagé de foot, comme les joueurs qui se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Il pleut, vous le voyez, mais le terrain est encore en bon état. En espérant que la pelouse tienne le coup, on connaît l'importance que ça peut avoir sur le jeu. J'en profite pour tirer mon chapeau aux jardiniers qui travaillent tout au long de l'année pour nous offrir les meilleures conditions de jeu. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Le Paris Saint-Germain va donc évoluer en 4-3-3. L'important, ça va être les deux attaquants excentrés. C'est une formation très flexible qui peut passer du 4-3-3 au 4-5-1 à la perte du ballon, avec les deux ailiers qui descendent pour défendre. Alors c'est sûr, il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils fassent les efforts, mais c'est très efficace, notamment pour déborder et centrer.
On est Il parti pour pleut. 90 minutes. Le Havre contre le Paris Saint-Germain. C'est pas mal comme affiche pour débuter cette seconde partie de championnat. L'ouverture lumineuse. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, la frappe! Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Andrés Iniesta, bien sûr. Même quand il joue avec les plus grandes stars, c'est lui le cerveau de l'équipe. Il est toujours en train d'inventer de nouvelles manières de faire briller ses coéquipiers. Quel bijou de joueur! D'accord, merci pour ce petit pronostic. On va voir maintenant. Il a du champ sur le côté. Il est passé. Oh! Grand sire, le centre. Stoichkov. Il relance côté droit. Mohamed Salah reçoit le ballon. Ronaldinho. Et voici Messi. Ronaldinho. Nuno Mendes. Peut-être une occasion pour Messi. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Peut-être la première occasion du match sur ce coup de pied arrêté. Ils peuvent débloquer leur compteur, là. Messi! Nuno Mendes. Messi. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. La bonne passe. Allez, oui, ça part bien. C'était pas mal du tout dans la construction. Ça aura juste manqué un peu de précision. Il avait bien lu cette passe. Oui, très bonne anticipation. Il ne s'est pas laissé prendre par ses gestes. Il allonge le jeu. C'est bien donné. La frappe, attention! Oh, incroyable! Incroyable but du Paris Saint-Germain! Sublime! Tout part de ce ballon repris au milieu de terrain et après c'est allé très très vite. Voilà une occasion parfaitement exploitée. But pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après 17 minutes de jeu, le numéro 10, Messi! Bien, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. En retrait pour repartir proprement. Il choisit le côté gauche. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Le long dégagement du gardien. Au Péri, un long ballon vers l'avant. C'est bien fait, ça. Qui est le premier sur ce ballon? Il peut encore frapper. Ouh, ah, il n'a pas réussi à doser son joli. Il le récupère. Hakimi. Et voici De Jong. Hakimi. Et voici De Jong. De Ligt. Et voici De Jong. Iniesta. Messi. Grosse occasion. La frappe. Oh oui. Oh yeah. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Et oui, il n'y a pas que le kick qui marche dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. But pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après 30 minutes de jeu, le numéro...
Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. C'est joué long, c'est dangereux. Allez jusqu'au bout. What? Oh, il a complètement manqué son geste. Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. Bien joué, il fallait jaillir. De Ligt. Hey. Grand Sire. Il cherche son coéquipier. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, il a bien anticipé. De Ligt. Messi, c'est bien fait. À la limite de la surface. Oui, il peut frapper là. Nuno Mendes. Il tire. Oui, c'était puissant. Ouf, un bonheur. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de souci, mais ils doivent être plus précis dans le dernier geste. Et voici le premier corner de cette rencontre. Il tente de se dégager. Et ça, c'est à moi. Non, ça manque d'application. Coup franc pour le Havre. Sans Ganté. Il relance côté droit. Iniesta. Et voici De Jong. Ronaldinho. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Aïe. J'ai fait un peu trop tard. Ça part en contre. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. De la tête. Bon service dans la profondeur. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. On avait une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement Augmente ces détails là, les gouttes d'eau sur l'écran. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Iniesta, ball control, dribbling, low pass, rapid pass. Wow, il est excellent. Allez, on est reparti. Au passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. Oh! Ça joue long. Attention au contre. Le bon dribble. De Ligt. Nuno Mendes. Aïe. Mais qu'est-ce que je fous là? Il continue. C'est joué long. Pas sûr que c'est ça qu'il voulait faire. Ah, je fais n'importe quoi là. Nuno Mendes. Hey. Oh oui, Bayo. Ah. Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance.
Ils n'ont peut-être pas brillé en première période, mais ça va mieux maintenant. Plus qu'un but de retard. Oui, c'est ça, oui, ce sera un corner. Et il y va de la tête. Oh, l'arrêt, il démontre tout son talent. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Mbappé. Messi. Aïe. Sanganté. Cette fin de match reste ouverte suite à la réduction du score. C'est vrai, mais ils ont déjà marqué deux buts, alors rien ne les empêche d'en inscrire un troisième. Waouh, il est à fond, Iniesta. Le Havre qui tente de belles choses là. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. C'est vrai, Grégoire. Messi. Oh, voici Stoichkov. Ah. Mohamed Salah. Stoichkov, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Sur la gauche. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Opéry. C'est osé. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il y a peut-être un coup à jouer. Il remporte son duel. Ça joue à gauche. Mbappé. Aïe. Mais le ballon a franchi la ligne. C'est l'heure de procéder à un changement. Voilà un joueur qui va ajouter un peu de vitesse au jeu. Et avec ses courses, il peut faire des ravages. Le numéro 45. Attention, changement. Mbappé. Oh, quel geste! Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. C'est joué, très vite. C'est dégagé. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est joué dans la profondeur. Aïe, je l'avais. Allez, il ne faut pas baisser les bras. Ils n'ont qu'un petit but de retard. Wirtz. Oh, il y avait déjà, mais il a bien jailli. Le bon ballon s'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ça joue long. Gros duel. Le ballon est perdu. Et ils vont pouvoir respirer. Il joue sur sa gauche. Quelle passe. Il est passé. En dribble, c'est bien fait. Ce ballon dans la boîte. À ce stade du match, c'est un peu dommage. Le ballon dans la profondeur. Oh, l'occasion. Oh, il trompe le gardien.
Bonne égalisation, meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires. Dans les... Attention, la frappe! Le poteau! Opéry. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. C'est une occasion, ça! Ouh! Oh, waouh! Wow. Ce but pourrait être décisif! C'est ça, ce match de fou! La passe était parfaite, le tir n'est pas mal non plus. Ces deux joueurs ont parfaitement combiné. L'appel, la passe, la finition, tout était perfect sur cette action. Après 90 minutes de jeu. Quelle efficacité! Il était encore sur le banc il y a quelques minutes! Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Le Havre qui procède à un autre changement. Oui, il avait un peu de mal à se replacer. On sentait qu'il était un peu au bout du rouleau. Le numéro 93. Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ayou! Touré. S'il le trouve... Le ballon sort du terrain. Eh ? Dans la boîte. Eh ? Quel jaillissement ! C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Un petit but d'écart à l'arrivée, mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions et ce match en est une preuve évidente. Bien sûr. Le Paris Saint-Germain qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui, ils y ont cru jusqu'au bout. On doit se quitter maintenant. Merci Darren et merci à vous surtout d'avoir suivi ce match avec nous. Mais avec plaisir, on remet ça quand vous voulez. Eh bien, ce n'était pas le bon jour pour nos joueurs. Mais allez, ils feront mieux. Whoa.